Hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau let's play dans ce début d'année. Donc on va faire Wolfenstein The New Colossus, donc la suite de The New Order qu'on a fait l'année dernière. Donc déjà j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année à tous. Je vous souhaite que des bonnes choses. Donc on va commencer une nouvelle partie les amis. On va reprendre ça, voilà. Donc déjà, avant de commencer le let's play, donc oui, j'espère que vous allez tous bien entendu. Donc pour les nouveaux venus sur la chaîne, si vous ne connaissez pas ma chaîne et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour avoir les dernières sorties. Donc je ne savais pas trop quoi faire en deuxième let's play pour ce début d'année. Je me suis dit, allez, on va rester dans la finesse. MDR. Donc non, ouais, vu qu'on avait fait déjà le premier, je dis on va faire le deuxième. C'est pas un let's play qui va prendre beaucoup de vidéos. Et vu que j'attends certains jeux, je pourrais enchaîner avec des jeux que je ne connais pas. Donc voilà. Bah écoutez, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc, Wolfenstein The New Colossus. Sorti le 27 octobre 2017. C'est un FPS développé par Machine Game et édité par Bethesda Softworks. Voilà les amis. Bah écoutez, on va prendre Amenez-vous. Ou Marche ou Crève. Ah, les deux, entre les deux mon cœur balance. Allez, on va rester dans le... pour pouvoir faire un truc à peu près propre. Amenez-vous. C'est la torture. Allez. De rêver de ça. Puis de se réveiller. Donc là, il y a un petit flashback du dernier jeu. Un vrai dur à cuire, nom de Dieu. Hé, hey, cherche un. Va chercher. Soldat Wyatt, merci. Tout à l'heure, mon capitaine. Bon, ça fait des années qu'on n'a pas été aussi près du général Strasse. On élimine le boucher, on paralyse la machine de guerre des Fritz. C'est pas vrai, c'est lui! C'est le boucher! Aidez-moi à choisir. Regardez en direction de celui que vous voulez que je dissecte. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Oh, je suis d'assez. Bon travail, Blaskovic. Allez, viens. Offusquons d'ici. J'aperçois quelqu'un. Elle s'appelle Anya. Elle prend bien soin de moi. On est en 60. Les États-Unis, ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Dans un train pour Berlin. Où sont les combattants de la résistance? BJ Blazkowicz. Tu es donc en vie, Caroline? En vie, mais obligé de chier dans un putain de sac. Ils pensent que la guerre est finie, que nous sommes faibles, que nous n'avons pas le cran de nous opposer à eux. Et comme toujours, ils sont dans... Cette race, selon les registres officiels, il a été détenu puis envoyé dans un camp de travail. C'est vous, cette race? Je ne suis pas décidé. Que savez-vous de cette race? Vous êtes de la Daltichune, source de la technologie nazie. Je viens vous sauver. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, l'ami. Moi, c'est Borvait. William J. Blazkowicz, fais gaffe à toi. Personne n'est quiconque. Maxos! C'est réciproque, Max! Max n'aime pas la violence et il ne veut pas qu'il y ait de blessés. La Daltichune est une société mystique antique. Nous inventons des choses. La technologie mise au point par la Dacirud a des siècles d'avance sur tout ce que vous avez pu voir. Ou imaginer. Ravi de te retrouver, Blazkowicz. C'est votre vieille amie Frau Engel qui mène l'attaque. Le boucher doit l'avoir promu pour sa méticulosité dans le camp. Hé, hey, capitaine! Vous avez volé le marteau d'Eva! C'est le sous-marin le plus puissant de toute cette satanée flotte allemande! Tu rentres dans la base le plus vite possible. On raye le boucher de la surface de la Terre. Le boucher? J'aurais dû tuer Stipide il y a longtemps. Je vous ai pris près de vous. Capitaine, on est en position. Le canon nucléaire est armé. Permission de tirer? Ok. Donc comme je vous ai dit, un petit jeu tout en finesse. Pour commencer cette nouvelle année 2022. On va rester dans la finesse. Voilà.
On va commencer avec Sekiro, là on enchaîne avec Wolfenstein. William. Que du bon. Mon père ne rentrera pas ce soir. Il reste à Dallas pour le travail. Oh, pauvre petit, il t'a vraiment amoché. Reste tranquille, repose-toi. J'ai de la soupe et du porridge. Qu'est-ce que tu préférerais ? Allez, capitaine, choisissez pour moi. Vous êtes têtu, capitaine Blast. On va reprendre le même choix. En ce qui me concerne, je suis extrêmement patient. Je me demande qui l'emportera, votre obstination ou ma patience. C'est une tâche très simple. Regardez en direction de celui que vous voulez me laisser. Voilà, on va reprendre le même. Je sais plus c'est lequel que j'avais pris. Sauver Fergus, ouais. Celui-là qu'on avait sauvé dans le tout premier. Donc on va reprendre la même. C'est vraiment trop bête. T'as vraiment cru qu'on allait te laisser ici? Putain de merde. Il a les tripes à l'air. Vous les rompez. Mettez-les. Ah, c'est pas bon. On le met dans l'hélico. Doucement, doucement. Je suis heureux d'avoir terminé le travail pour lequel on m'a envoyé sur Terre. Entouré de gens qui m'aiment. Aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi je suis. Bon, Bate, on est sorti. Feu! Oui, madame. Il se vide de son sang plus vite! Vengeance! Une vague de chaleur m'envahit. Serviette! On dirait que le ciel est en feu. Caroline, il meurt! Appuyez! Elle devient tout bleue! Bon, Bate, civière dans le hangar. HPA 90. J'entends la faucheuse. Elle hurle mon nom. Blazkowicz. Salut, ma grande. Désolé de t'avoir fait attendre. Laisse-moi te montrer quelque chose, Billy. Mon père m'a demandé de donner ceci à mon fils. Si un jour j'en avais un. C'est une alliance. Elle est dans notre famille. Depuis 8 générations. Tu te rends compte, mon Billy? C'est ce qu'on appelle un bijou de famille. Quand tu rencontreras quelqu'un de spécial, tu la lui mettras au doigt. Cette bague est d'une grande valeur. Ne parle pas de l'anneau à ton père. Il n'est pas au courant. Tu le connais, il le prendrait sûrement. Sophia. Mère, suis-je acquitté? Ai-je été juste et bon? Assez bon pour être admis au paradis? T'as aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi je souffre. Oh non, mère. C'est l'enfer qui m'attend. Tirez, tirez, Bombette! Je vais devoir couper la plus grande partie de ses intestins. Faites ce qu'il faut, cette pitié. Reste avec nous, Blazkowicz. Sors le cœur de ce combat. Et alors, je te promets, je te jure... Il est dans là. Faites venir quiconque peut donner du sang. Vite. Écoutez-moi. Toi et toi. Ramenez tout le monde et dites-leur de faire la queue à l'infirmerie. Bougez-vous. Il me faut de la lumière. Reste là sans un bruit. Sophia, il est là. Dégage, Sophia! Il ne mérite pas ça, tu le sais bien! Te fous pas de ma gueule! Je l'ai vu avec elle! Il est jeune, il l'aime bien, il ne comprend pas encore! Il sait parfaitement bien qu'il doit pas perdre son temps avec une putain de sale négresse! Je ne te laisserai plus faire de mal à mon fils, plus jamais! Tu n'as aucune idée de ce que j'endure! Oh, Sophia! Je me décarcasse tous les jours! Je me fais grappiller ma thune à droite et à gauche. Je me fais humilier juste pour garder mes affaires à flot. Je les ai vus tous les deux, Sophie, à bon sang, à se faire des papouilles sous le peuplier. C'est pas tolérable. J'ai travaillé beaucoup trop dur
et bien trop longtemps pour perdre ma réputation parce que mon petit s'est amouraché d'une négresse. Rick, on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je cuisine, je nettoie, je m'occupe de mes tables et des champs. Tu n'es pas le seul à souffrir. Tu aurais dû mettre la clé sous la porte, comme mon père te l'a dit. On a des dettes énormes. 3 mois de retard pour l'électricité, sans parler du fait que tu as perdu tout l'argent que mon père avait investi. Tu joues avec le feu, Sophia. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis pas vraiment le genre de gars avec qui tu peux te la ramener. Et tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. J'ai épousé un homme qui n'aurait jamais laissé sa famille avoir faim. Je jure que je ne te laisserai plus jamais toucher un cheveu de mon fils. Ferme ton caquet ou c'est moi qui te le ferme. Plus jamais. C'est quoi votre problème à vous, les Juifs? Vous avez réponse à tout, hein? Quand je t'ai épousé, je pensais que ton père me servirait de tremplin. Mais en fin de compte, t'es qu'un boulet. Tu colles ton nez dans mes affaires au lieu de te mêler des tiennes. Si t'es pas capable d'élever notre fils, eh ben je vais m'en charger. Va-t'en. Espèce de salade. Alors faut faire quoi là? Je me rappelle plus du tout. J'espère qu'on va pouvoir lui exploser sa gueule à lui là. Ah ouais? Bah tiens. T'es tellement faible. Ils vont te chercher des... Putain. Là t'as signé ton arrêt de mort. C'est chaud quand même. C'est quand même chaud. Récupère tes forces. De grandes choses se préparent. Le vent va tourner. Le cercle de Kraïso se lève. Et j'aurai besoin de toi à mes côtés. L'armure là, je crois que c'est l'armure qu'on voit dans le dernier volet des Wolfenstein. Que j'ai acheté d'ailleurs. Que je ferai, je ne sais pas quand. Mais je me suis renseigné, il est pas si bien noté que ça par rapport aux autres. J'espère que c'est pas qu'ils ont pas fait un loupé parce que les deux premiers sont énormes. Messie, à table. Oui, t'es une gentille fifille. Oui, Messie, t'es une gentille fifille. Tu peux gémir autant que tu veux, t'iras nulle part. Dans la vie, on prend des décisions difficiles. Et parfois, il faut punir les animaux qui nous entourent. C'est tuer ou être tué. Les vieux et les faibles sont condamnés. Toute cette racaille, ces ordures, ces cancres-là qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour dérober à l'homme blanc tout ce qu'il a gagné. C'est à nous de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est à toi. Le doigt sur la détente. Oh, allez, comme c'est ça. Un truc de fou. Non, moi je veux et pas le tuer. Tire. T'es faible. Comme ta mère. Oh là là. Souviens-toi, mon garçon. Tout ça finira mieux que ça n'a commencé. Qui c'est ça? C'est moi? C'est moi ça? Les vieux et les faibles sont condamnés. Oh, le travail. Je me rappelais plus. Non mais... T'es en fauteuil roulant, quoi.
C'est vous. Prenez ça. Ils viennent pour vous. Eh merde! Ils sont là! Ce sous-marin est à nous maintenant, sale nazi. Tu le reprendras pas. Allez, sors. Non, mais... On se balade. C'est vraiment dingue. Faut prendre maximum de vie à mon avis. À mon avis, vie. Des vies à mon avis, ça rime. J'ai pas fait exprès. Tiens bon, Anya. J'arrive. Non, on peut pas monter. Non mais on est obligé de prendre un élévateur quoi. Non mais... Ah, il y a des trucs à récupérer là. Ah oui, voilà, de l'armure. Arrêtez, Astorix, VHS, ne vous menacez tant que je vous y ai pas autorisé, compris? Compris? Ne lâchez même pas une pièce. Oh là là. Les micro-ondes pour les bureaux en bouillie, et vous n'avez pas envie de ça? Pas vrai? Ok, attendez. C'est bon, allez, allez, venez. C'est moi où il a dit ne lâchez même pas une caisse? Je crois qu'il a dit ça. Faites attention, le sol est très... Vite, vite, vite! Voilà. Un, deux, trois. En Wiedersehen, tas de Drake. Monsieur Blazkowicz, je suis très heureux de vous voir réveillé, mais beaucoup moins Anya, de vous voir debout. Où est-elle? La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec Caroline en train de défendre l'ascenseur du kiosque du sous-marin. Montrez-moi la direction, Seb. Ingle, vous savez que vous avez passé 5 mois alité. Votre corps est brisé. Vous comprenez? Vos reins ne fonctionnent plus. Vous allez avoir des problèmes pour uriner, utiliser votre Schmeckle et pour plein d'autres choses. Moi, juste... Utilisez votre Schmeckle. C'est Frau Engel. Elle vous suit à la trace, elle a... remué ciel et terre, et aujourd'hui, elle vous a trouvé. Les nazis sont entrés dans le sous-marin. Il y a beaucoup de blessés et de morts. J'ai été séparé des autres. Je dois y aller. Non. Non. Akmenishkan Kining, je vous ai dit non. Aidez-moi à trouver cet ascenseur. Vous n'êtes qu'un auction. Un vrai auction. Bon, écoutez. Il y a des tas de nazis entre ici et l'ascenseur, mais... j'ai posé plusieurs pièges, et je n'ai pas eu le temps de les activer. Regardez, c'est une carte qui indique où se trouvent les pièges. Utilisons-les contre ces vers 4 fascistes. Ok, ok, faites attention. Faut utiliser les pièges. S'il vous plaît, essayez de ne pas vous faire tuer. C'est parti. Alors, vous atteint l'ascenseur. Ce n'est pas vous qui me traquez. Ok, Frau Engel. C'est plutôt moi qui vous traque. Ok. On le stop. Ok. Là, il y a un piège. Ouais, je vois rien. Ouais, je voyais rien là. Caroline, où que tu sois, va jusqu'au bout pour garder les autres en vie jusqu'à ce que j'arrive. Y'a rien à récupérer là? Alors. Je
pense qu'il faut pas activer. Ok, donc là j'ai activé le piège. Ah, est-ce que j'ai bien fait? Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ah, c'est bon. Oh là, j'ai un peu... Alors là, j'ai un peu l'impression d'avoir oublié des choses. Bah non. Alors, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc là, on récupère de la vie. Ah, faut carrément monter, d'accord. Non mais... Ah, on est en fauteuil, hein. Il est où? Il est où? Il est où? Non mais c'est abusé, quoi. Bon, c'est un jeu vidéo, hein. Mais on est en fauteuil roulant, on prend des ascenseurs, des machins, des... C'est du Wolfenstein à l'état pur, quoi. Pas de chatouille, pas de papouille, du concret. Voilà. Là, on a un ami, malheureusement, qui n'est plus là. Alors là, faut faire quoi? Là, on peut pas... Là, on peut. Alors là, on a les pièges. Oups. Recharge. Allez, on vise. Ah, mais il est décédé. D'accord, il faut désactiver le piège. Où est-ce qu'il faut le laisser actif? Bonne question. Il y a quelque chose à récupérer ici? Non. Maintenir pour inspecter. Je suis certain, je pense que nous devons nous pencher sur la question. Ok. On l'a gardé. On a gardé le document. On va peut-être couper les pièges. Je ne peux pas aller. Là, on a de la vie. Jusque-là, on est pas mal. Faut-il aller? J'ai loupé quelque chose ou... Ah, carrément. Allez, on tente, hein. On y va. Bon, ça va, c'est pas... C'est pas violent, violent, violent. Pour l'instant. Je fais le tour pour récupérer de la vie, s'il y en a. Engel est prêt à amnistier tous ceux qui déposeront les armes et qui se rendront.
C'est votre seule chance. J'espère que je prends le bon chemin. Comment j'éteins ça? Non, c'est pas ça. C'est pas évident là, on est dans un fauteuil roulant, je rappelle. c'est du grand n'importe quoi, mais c'est rigolo, je trouve. Oups, ah d'accord. Donc il y a le fauteuil roulant qui nous suit. Ah! Oh là là. J'ai plus de vie, je suis foutu. Ignore la douleur. Essaie de trouver un moyen d'inverser la courroie et rejoins l'ascenseur du kiosque du sous-marin. S'il vous plaît, de la vie. J'ai plus rien, j'ai plus que 10 de vie là. J'ai plus de vie, les amis. Là, j'ai très mal joué, par contre. Je suis dégoûté. Je pensais que j'allais pouvoir trouver de la vie. Ok. Courroie inversée. Et c'est parti. De la vie qu'il me faut. Ah, c'est les livres que je voyais. D'accord. Okay. On va essayer d'y aller safe. Mais ils sont combien? En bas. Ah mais... Oh là là, s'il y a des casques. S'il y a des casques, c'est pas bon. J'entends parler. Lancer grenade et rein. Ok. Je viens d'ici, non? Oui, on vient d'ici. Ah ben non, c'est bon. C'est long. Ah mon âme ! William, ça va ? Ah.
Anya. William. J'ai prié pour que tu te réveilles. Je suis un fardeau. Ne sois pas idiot. Bon. Il faut te relever. Tu as pris beaucoup de poids. Seth pense qu'on aura des jumeaux. Pas maintenant, Kindala. Vous aurez le temps pour Schmutzerei si vous survivez. Pour l'instant, il faut vous emmener dehors, sur le pont. Allez, sur le pont. Attends, William. Oh là là, ah oui. Jackson, Max, Jackson, tire! Tire! Tu tires bien, Max. Souris! Caroline. Na, so ein böser Junge mit einer Waffe? Loslassen! Loslassen! Sigrun! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah! Das weißt du nicht? Die da! Abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deine Diät nicht eingehalten! Ja, vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Das werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst! Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los, warte ja! Ist nicht mal eine Backpfanne wert! Er ist da oben! Da bin ich mir sicher! Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, rein, Männer. Je vais la tirer dehors. Mégaphone. Je m'adresse aux terroristes et assassins. William Joseph Blazkowicz, qu'on appelle aussi Blazko le Marché. J'ai l'intention d'épargner la vie de tous ceux qui se trouvent sur votre navire si vous vous rendez. Mes portes sont ouvertes! Venez seul! Je suis demandé, on dirait. N'y va pas, William. Il avec la voix de Bruce Willis. Notre sous-marin est pris au piège, on ne peut rien faire. Vous avez raison. Mais une fois là-haut, vous devez trouver un moyen de libérer le sous-marin. Je ne veux pas te perdre. Tu es faible, William. Tu n'es pas en état de te battre. Je trouverai un moyen. Tessa ! Halte ! Tu comptes nous renverser avec ta petite chaise roulante ? Mila ! Da ist er ja. Gut. Runter mit der Rüstung! Enlevez vos sales patins! Deine Schnauze! Comme c'est amusant. Le cerveau de la résistance rampant comme une vermine. Blazkowicz, tu es réveillé? Oui, plus ou moins. Je suis venu te chercher. Comment sens-tu, Caroline? Je ne sais pas comment elle nous a trouvés. J'ai merdé quelque part. Elle est remontée jusqu'à nous. J'ai tout foutu en l'air. Oh putain. Alors comme ça, on se prend pour un héros, William Joseph Blazkowicz.
Relevez les clopés. Je vais te dire un truc. Tu n'as rien d'un héros. Il n'y a que les rats dégénérés des bidonvilles pour t'admirer. L'allié de l'humanité. Caroline Baker. Dans le ghetto. Fergus Red. Mais tout ça changera dès qu'ils t'auront vu. On va essayer de les sauver. Je sais pas comment, mais on va essayer. Je devrais te montrer à la télé, à travers le monde entier. Franchement, me dites pas que c'est un sac qui ressemble à un héros. Un misérable cafard qui pisse dans un tube. Tout le monde verra bien quelle arnaque tu fais, toi alors. Lâchez-le. Dankeschön. Oh. Sie sind krank. Oh. Inclinez-vous. Joue pas à la conne. Tu sais que la résistance ne s'incline jamais. Mutter! Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du... Aber du hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Fais pas ça, Fillette! Sag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch mit Perversion und verräterischen Worten vollspielen. Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Page après page, tu déverses ton esprit malade pendant que ton corps bouffe de cette graisse, on dirait un faux marin! Tu ne comprends donc pas la position dans laquelle tu m'as mise? La loi m'oblige à te dénoncer! Du hattest kein Recht, es zu lesen! Caroline Baker, leader du cercle de Kreisau. Cerveau du groupe criminel. N'abandonne jamais Blazkowicz. Ne les laisse jamais gagner. Je ne crois pas. Je pense que... tu n'es rien d'autre... qu'un... Vous avez vu ça? Oh là là. Regardez ça, c'est tellement étrange. Elle était là, il y a juste un instant, et maintenant plus rien. D'après vous, est-ce que ses yeux se sont un jour remplis d'amour pour quelqu'un? Un baiser, mon cher? Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen! Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bring ihn her! Un autre vieil ami à toi, je crois. Je vais te tuer. Mutter, bitte hör auf, es reicht. Aus dem Weg! Ja. Nein! Ja. Monsieur! Ah.
Ok. Ça va, Blasco? C'est connu mieux, mais je crois que j'ai stoppé l'hémorragie. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là, les amis. Ouais, on va arrêter là. On reprend dans la prochaine. On va faire le tour, voir si on peut récupérer des choses. Caroline! Oh la pauvre. Je peux vous dire comment libérer votre sous-marin. Il y a aussi des navettes d'évacuation par ici. Je connais le code pour y accéder. Attends. Comment on libère le sous-marin? Cette porte conduit à la salle de commande. Des bras électromagnétiques. C'est là que vous pourrez les désactiver. Et ça relâchera votre sous-marin. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui. Ok, bon, on va attendre qu'elle ouvre la porte et après j'arrêterai pour pas louper un passage important dans le jeu. Voilà, on arrête là les amis. Et ben voilà, notre début de let's play, bon c'est relativement violent, mais bon c'est du Wolfenstein, donc voilà. J'espère que ça vous a plu les amis et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.